savoir qui est Mr. Quack? Alors, écoutez son histoire. Mr. Quack n'aime pas la musique, ni le rap, ni le jazz, ni le rock. Il vomit la musique classique, toutes ses notes, ah, ça le rend cynoc. Mr. Quack est un drôle de loustique, un rusé, un pervers, un maniaque. Le genre jaloux, antipathique, et sa tête est une tête à claque. Wow, 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 Mr. Quack, tu détraques tout et tu t'en moques, Mr. Quack, et tu troques l'authentique en toc, Mr. Quack, Mr. Quack. 1, 2, 3 et hop. Ah, oh, oh là 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 là. Les fausses notes, Mr. Quack les fabrique. Et les quacks, il en a tout un stock. Il les sème dans les concerts publics. Assassine Mozart et Bartok. Toi le musicien, prends garde à Mr. Quack. Car la plus belle œuvre symphonique deviendrait à cause de ce macaque un brouhaha cacophonique. Mr. Quack, et tu troques l'authentique en toc, Mr. Quack. Wow, 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 Mr. Quack. Mr. Quack n'aime pas la musique. Ah, ça non. Ni le rap, ni le jazz, ni le rock. Il vomit la musique classique. Toutes ses notes, ça le rend cynoc. Vous les musiciens, prenez garde à Mr. Quack. Car la plus belle œuvre symphonique deviendrait à cause de ce macaque un brouhaha cacophonique.